Salut les gamers et bienvenue sur Dicey Dungeon toujours. L'acte 6 avec le guerrier était un vrai plaisir, c'était vraiment super sympa à jouer. L'acte 6 a l'air fun, après il peut y avoir des injustices hein. Et je pense que, vu que je me suis amusé une fois, pas moyen que je m'amuse deux fois je pense. Je pense qu'avec le voleur ça va être une autre histoire, mais on sait jamais. On va voir ce qui se passe. Du coup let's go pour l'acte 6 du voleur. Donc je rappelle, on va avoir des règles différentes. En fait, on va avoir des malus au fur et à mesure qu'on avance. Et c'est marrant. Ça peut être marrant. Oh, oh. Applaudissez bien fort le voleur qui participe en espérant remporter des richesses et encore plus de richesses. Ça manque un peu d'imagination, mais mettons. Bah, ce qui manque d'imagination, c'est aussi ce que vous dites. Et c'est vrai qu'en plus, on a des stuffs différents au début du coup. Dague ou boule de démolition. Mais c'est trop bien, boule. Oh non, boule de démolition, je l'aime. Je l'aime de tout mon cœur. Hein. C'était le meilleur stuff, hein, le stuff avec des décomptes. C'était le meilleur. Oh, le gluant, on se souvient des moments qui faisaient très mal, le gluant en acte 4. Mais je crois que le guerrier et le voleur maintenant ne peuvent plus rencontrer le gluant en acte 4, justement. Du coup, c'est bien. Ah mais c'est nul. Que de la merde. Eh ben génial, le poison. Bon ça va, c'est le poison normal pour l'instant. Très bien. Allez, viens mon chat. Mon timour. Bon ça peut être intéressant par la suite hein. On va voir ce que ça peut donner. J'espère que je vais avoir un stuff décompte. Merde. Bon, je peux le tuer quand même. J'espère qu'on va avoir un stuff intéressant derrière. Allez, vas-y, faut me rêver. Armure en cuir, ajoute une amélioration. Ouais, encore les améliorations. Pourquoi pas. Acte 5, oui, pardon, pas acte 4. Ok, non, oui, acte 4, acte 5, vous avez raison. Alors, épée large. Ah, ça, quel plaisir, surtout que ça m'arrange. Hein. Ça m'arrange de ouf. Et bah voilà. Merci à toi d'être passé. Hein. On reçoit un displementer. Ce qui fait plaisir. Alors, mais on a toujours Monsieur Neigeux. Allez, Monsieur Neigeux m'a saoulé. Vous et vos ennemis commencez tous les combats avec furie. Ouf. Ouf. Ouf, ça peut être très très mauvais ça. Mais après, les ennemis, peut-être ils sont cons, ils vont faire de la merde avec ça, mais ça peut être très 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 très, très dur. A voir, hein. Il y a des ennemis sur lesquels je pense que ça va pas être une bonne idée. Hein. Je peux lui brûler 2 dés. Ou lui faire 8 dégâts et trigger lance-boulette. Ok. On va minorer les dégâts. On va brûler un dé. Oh, il fait, tu l'as. Non, pitié. Pas encore. Aïe, aïe, aïe. Ah non, non, c'est ultra dangereux, hein, ce stuff. C'est ultra dangereux, cette merde. Ah non, mais je peux rien faire. C'est ultra mauvais là, le coup du furie. Le coup du furie, je sens bien l'ennemi qui va me faire 20 au premier tour un jour. Oh, putain, tu m'emmerdes. Putain, il fait chier. Oh non. Oh, j'ai vraiment pas de chance sur ce fight. Vraiment sur ce fight j'ai vraiment pas eu de chance. Bon bah je suis quasiment mort hein. Là c'est chaud. Là c'est très très chaud. On va prier hein. Franchement j'ai envie d'y aller sans me soigner. Pickpocket, vol 1 PO une fois par combat. Putain on peut voler max. Ajoute 3 boucliers en le dé, ça c'est pas mal aussi. Ça peut être bien en début de fight.
Duplique un dé, rend l'autre. Vous pouvez pas, j'aime bien. Allez, vas-y, je suis un fou. Potentiellement une mauvaise idée. Hop, comme ça j'ai 6 boucliers et j'ai 2 dés. Et ça c'est beau. Ouais, ça se passe pas trop mal en vrai. Attention, qu'est-ce qu'il va faire? Oh, il peut faire que de la merde. Trop bien. Trop bien, j'ai quasiment rien pris. Ah. C'est pas très sympa. C'est pas très gentil. Bon. Ok, il peut me faire que 3. Ah, mon bouclier va se stacker peut-être. Trop bien. Petit bâtard, maximum 4. Ah, non, c'est pas bien ça. Minoration. J'adore rire. Merci vous aguissette. Je me soigne à la fin de ce combat. À la fin de ce combat, je suis soigné, j'y crois. Merci beaucoup pour être en moi. Nice. Ok. Allez, ça peut le faire. Nice. Je peux quasiment rien faire. Oh non, le 6, c'est non le 6. Ben voilà, ça va. Donc comme ça je suis soigné, ça se passe bien. Rossignol, casse un dé en 2 ou réduit de X les décomptes. Bah ben là actuellement ça ne sert pas grand chose de réduire de les décomptes après. Je crois qu'il y a un dé en 2, actuellement c'est mieux. En vrai je suis tiraillé parce que... Non, Rossignol. Faut que je me fasse un stuff décompte après mais... J'ai même pas regardé, si j'ai regardé, c'était de la merde. Ok, bon du coup c'est parti pour le remisson. Putain, il peut faire... Oh, la furie, elle peut faire tellement mal chez lui. Oh, la furie, elle peut être tellement assassine. S'il a un double, la furie, elle va faire très très mal. S'il a un double, la furie, elle va faire très très mal. Qu'est-ce que je vais faire, du coup? Est-ce que je fais boule de démolition? Si je fais Rossignol, ça fait que j'aurai 4-2, non? J'aurai 4-2, non, c'est nul. Non, là, je vais faire ça. Pour être safe. Je vais dire les décomptes, tac. Hop, comme ça, je mets un petit 1, là. On va faire ça. Ça, et minorer les dégâts. Du coup, on va prier. Il a pas de double. Yes. Vas-y, 3 dégâts. Vas-y, super. Et bah, j'ai rien pris. J'ai rien pris grâce à la minoration. Merci à la minoration. On t'aime très fort. Casse un dé en 2. Super. Minoration, mon meilleur ami. Hein. Clairement mon meilleur ami. Super. Je garde du bouclier, c'est très très bien. Allez. Casse-moi ça en deux là, s'il te plaît. Super. Nickel. Minoration, restons safe. Franchement ça se passe bien hein, pour le moment, ça va. Je ne savais pas que nous stream. Nous sommes là. Ouf. Ça va. Ça va. Il a eu un double 6, c'est ça, hein. J'ai eu mal. J'ai souffert un peu. On va casser ça en deux encore. Et merde. Tant pis. Bon, ça va. On manque éventuellement de soins.
Mais avec minoration plus bouclier, c'est pas trop mal. Plâtre, restaure 1 PV réutilisable. Ah bah disons que ça fonctionne bien avec boule de démolition du coup. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Le double 6 aura fait tellement mal sans tes boucliers, c'est clair. C'est le premier épisode 6 que Luna fait? Non, c'est le deuxième. C'est le deuxième. Nous sommes actuellement sur un deuxième épisode 6, on a fait le guerrier tout à l'heure. Un plaisir. Comment chaque combat avec deux poisons? Ça commence à faire beaucoup là. Est-ce que si on commence avec deux poisons, est-ce que ça veut dire qu'on perd 2 PV d'office? Ouais non, j'ai pas envie, parce que si on tombe sur un ennemi qui fait du poison, ça va être très très mal. Si vous, l'ennemi, obtenez un 6, le dé est immédiatement brûlé. Vie de merde. C'est dégueulasse. Je crie au scandale. C'est pire, en fait. C'est dégueulasse. Absolument immonde. Casse un dé en deux. Bah vas-y, casse-moi ça en deux. Hein. Mets-toi dans le fond, sensationnel. Je parle normal. C'est humeur de sucre. Ça fait du bien au stream matinal, j'adore. Au fait, pour quand Super Paper Mario en stream, des bisous. C'est bientôt. Bientôt, il faut que je termine d'autres trucs avant, mais bientôt. Je peux faire des dégâts là. Bientôt. Je pense qu'à la sortie de Luigi's Mansion. Aïe aïe aïe. À la sortie de Luigi's Mansion, on va se faire. Putain, j'ai deux 6, super. À la sortie de Luigi's Mansion, on va se faire plaisir. On le dé déjà, pour l'argent. Voilà. C'est bien, ça me fait un lance fort. Mais je dois d'abord finir le prochain APB avant de lui être. Alors, est-ce que je casse le 6 en 2? Bah ouais. Hein. Allez, s'il te plaît. C'est pas ce que je voulais. Mais bon, du coup, on va faire ça, on va minorer. Minorer. Ça m'ennuie, mais allons-y. Oh! Trop bien. Je peux le tuer là. Si je fais ça. C'est bon, je te tue. Je te tue! C'est bon. Ça fait plaisir le rééquilibrage de l'épisode 4? Bah, pour le seul épisode 4 que j'ai fait en rééquilibré, ça faisait plaisir, ouais. Le rumisson on faisait beaucoup moins peur et Toujours. Je sais plus quel autre ennemi était chiant. Plaisir. Mais, c'était mieux aussi. Burin, valeur du dé moins 1, obtient 1. Cochonou, si le bon saucisson que l'on aime chez nous. Cochonou, S.I.S.T. Merci, Mestalès, pour les 5 mois. Des bisous. Valeur du dé moins 1 et obtient 1. Ça veut dire qu'on on baise un dé en deux quand même. Ça peut être pas mal. Mais fais voir, refais voir vite fait. Minimum 2, bon ça c'est normal. Est-ce que c'est plus intéressant que Rossignol? Je suis pas sûr. Tu as dit on obtient un 1, c'est bien. Parce que comme ça je suis sûr et certain de pouvoir utiliser armure en cuir. Allez. Je veux donner sa chance au burin. Toujours dans l'esprit du plaisir. Merci à l'Unicorn pour les 4 mois de plaisir. On va être safe. Un 6. Et en 2. Un véritable moment de plaisir. Alors, on va faire le bouclier déjà. Hein? Stop light. Ok. Une petite minoration aussi. Hop. On va peut-être pas utiliser le 6, hein, finalement. Alors, du dé moins 1, obtient 1. Tac. Tac. Et voilà.
Attention, il a une furie. Qu'est-ce qu'il va faire avec sa furie, ce con? Est-ce qu'il va me faire mal? Il va se faire des gros dés. Eh bah tiens, bah vas-y, brûle-toi, ça prendra. J'ai un peu le seum, j'avoue. Aïe, 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 il fait mal. Bon, ça va en vrai, c'est pas si ouf. Heureusement, mon tour était bien défensivement. Alors, du coup, oh non! Pas beau. Pas beau le jeu, pas beau. On va minorer. Il faut minorer, hein. Allez, bricolo. Bricolo! Sensationnel. Sens. Merci beaucoup, Williams. Ah, c'est bien, par contre, il est obligé de se faire mal pour me faire son choc. C'est pas mal, j'aime bien le principe. J'adore le concept. Hein. Est-ce que ça m'intéresse? Je peux le tuer là? Ouais, il est mort. Il est mort. Ah non, il est pas mort du tout. Je me déteste. J'espère qu'il va pas faire mal. Ah bah oui. Vas-y, vous êtes con. Tu peux me faire beaucoup plus de dégâts. C'est vrai, les ennemis savent pas prendre compte. Savent pas prendre en compte les contraintes. Ça c'est bien. C'est à mon avantage, les ennemis sont pas assez intéressants pour. Intelligents pour prendre en compte les contraintes du jeu. Le gars ici c'est déjà fini, oui. Bon, du coup, ça se passe bien. Le Yeti, va-t-il apprécier? Le Yeti peut être très très chiant. Avec la furie au début. Il peut me geler tous mes dés à l'infini. Ce qui ne fait pas plaisir. Sachons-le. Ouais. Et si je lui gèle ses dés, c'est pas une bonne idée parce qu'il va me geler tous mes dés derrière. J'hésite entre mettre des boucliers et faire deux minorations là actuellement. Faire deux minorations, ça pourrait être une bonne idée. J'ai une stratégie, je sais pas ce qu'elle vaut, mais on verra bien. Parce que là, normalement, il peut pas me faire mal. Ouais, vas-y. Salaud. Ouais, il peut pas me faire mal, au moins, c'est toujours ça. Ok, je suis gelé à l'infini, d'accord. C'est pas grave. Au moins, on n'a rien perdu dans l'histoire. J'ai pas trop le choix actuellement, j'aimerais faire mieux, hein, mais... Vas-y, gèle-moi, c'est pas grave. J'ai pas peur d'être gelé, moi. Et puis on se fera jamais mal, et puis voilà. Hein. Le plat, il est rentable. Bah franchement, ouais, du coup. Du coup, le plat, il fonctionne. Gèle tous les dés. On va juste se rendre l'appareil à l'infini. Comme des enfants. On va juste faire ça tout le temps, en fait. Oh, pour l'instant, le stuff est cool, hein. Allez, vas-y, je suis un gamin. Je suis un gros gamin. Vas-y, fais-moi mal. Salaud. Au moins, il fait pas de dégâts, hein. C'est tout ce que je demande, hein. Mais du coup, il va me jouer tous mes dés, mais c'est drôle. Ça me fait rire. Vous savez, je suis pas là pour gagner, je suis là pour m'amuser. Ah, du coup, ça force le gel des dés en feu. C'est rigolo. Je dirais pas que c'est super drôle non plus, mais... Allez, on minore les gars encore, tac. Je suis vraiment gamin. Pire gamin. Et hop. Et merde. Bah du coup, il va que me geler. Et oui, mais mec, tu me fais pas mal quand tu fais ça, c'est bien, moi ça m'arrange. Ça m'arrange, tu me fais pas mal. Frère. Ah tiens, un gros gamin, tu vois. C'est moi qui dis ça. C'est nouveau ça, le gel, elle a prié sur le feu. Pas vraiment, je pense. Je pense que c'est surtout parce que c'est un dé gelé par défaut. C'est parce que c'est un dé gelé par défaut à cause du défi ici de l'acte 6. Bon, par contre, ça devient chiant. On va arrêter, hein. On va arrêter de faire les gamins parce que là, ça devient chiant, ça m'emmerde. J'ai envie d'aller au bout de ce combat, s'il vous plaît. Et merde.
ça va, il fait pas si mal que ça. C'est bon ? Fous la paix. Putain, il est toujours pas mort. Est-ce que je peux le tuer ? Non, je peux pas, putain. Vous pensez à mourir, monsieur. Insupportable ce combat. Le combat le plus long contre un ennemi pourtant pas si impressionnant. Insupportable. Tu vas crever, oui. C'est long. Oh, c'est bon. Allez, salut. Salut mon pote. Oui, j'aurais pu me soigner, c'est vrai. Mais, peu importe. J'ai la pomme derrière. Et voyons voir au shop, hein. Ah, là, ça m'intéresse, voilà. Là, on a des décomptes. Bâton des gemmes. Si dégage à l'un dé, perd carré. Et tu aurais de perquet carré, toi. Obtient 2-4. Mais est-ce que c'est vraiment intéressant par rapport à mon équipement? Est-ce que c'est vraiment si intéressant, ça? Parce qu'actuellement, mon stuff fonctionne très bien, en vrai. Je vais voir un truc. Qu'est-ce que je veux? Boule de démolition. Oh, je peux utiliser 2 fois. D'accord. C'est pas mal, ça. Armure en cœur, je peux mettre ce que je veux dedans. Burin, je peux utiliser 2 fois. Ah, ça heal de 2. C'est pas mal, aussi. Ajoute 3 boucliers et 1 minoration. Oh, c'est génial. J'améliore tout de suite Poépès. J'améliore tout de suite Poépès. 1 minoration en plus, c'est garantax. Garantie. C'est génial. Du coup, on peut avoir 2 maniurations avec armure en cuir et Poépès. Après, plate, c'est bien. Bâton de gemme est intéressant pour faire plus de dégâts, mais c'est énervant parce que ça prend 2 places. Oui, ouais, clairement. C'est pour ça que je préfère un stuff plus secure. Après, il y a quoi dedans? Je vais quand même regarder. Père carré, père castor. Je vais prendre père carré au cas où. Mais le reste c'est long. Ouais, c'est clairement long. Là, ça prend trop de place. Départ avec 2 dés en plus, puis père 1 dé par tour. Non, ça c'est pire plan cul. Pire plan cul actuellement. Parce que vu... Vous avez vu le combat que j'ai fait contre le Yeti? Pire plan cul. La santé de l'ennemi n'est plus visible après le premier tour. Oh merde! On mérite. Va falloir qu'on note. On va avoir un petit carnet. Un petit carnet. J'ai mon petit carnet, c'est bon. C'est quoi ça? Ouais, c'est bon, bah, c'est bon, je peux écrire là-dessus. J'utilise pas Burin. Si, j'utilise Burin. J'utilise complètement Burin. Je l'utilisais plein de fois. T'es complètement aveugle. La preuve en est, je vais l'utiliser devant tes yeux, là, actuellement. Regarde. Tac pour Armon 4. Ah, mais c'est vrai, j'avais Fury, putain, le coup. Voilà, tu m'as provoqué. Bon, bah, j'ai fait des merdes. Parfait. Oh non, mais j'aurais pu être invincible, en plus. Je m'en veux. J'aurais pas dû... Faut pas que je lise le chat. C'est une mauvaise idée. Vas-y, lire votre chat, on le sait, ça. Pas le faire, ça. Faites pas ça chez vous, lisez pas votre chat, hein. Merde, j'ai pas vu sa vie. Attendez, quoi? Il avait combien de vie? Oh non, l'épine. Oh, l'épine qui me pine. Ok, tu veux jouer à ça? Tu veux jouer à ça? Il avait 20 PV, ok, 20. Merde, mon stylo marche pas. De merde. 20 PV, 20 PV. Tiens. Bon bah du coup il a 4 épines, j'ai pas vraiment envie de l'attaquer là. J'ai pas envie de l'attaquer, il a 3 épines. Ça m'intéresse pas. Alors que là il est obligé de se faire mal. C'est intéressant là. Tiens voilà, là c'est le plus intéressant déjà. Hop, on se remet les boucliers.
doit faire burin. Je peux me mettre des épines sinon. Mais bon, c'est nul. Qu'est-ce qui est plus intéressant ici? Ok. Ah, c'est réutilisable. Au pire, j'utilise mon lancer foireux. Et je me mets un maximum d'épines. Je l'avais lâché là, mon dé. Bon bah, allez, nique. Ah, tu t'es fait mal! Après, c'est pas grave. Il a 14 normalement. Ouais, vas-y, c'est pas grave. Ça fait chier quand même. En fait, je compte pas, hein, j'ai la flemme. J'ai la flemme de compter. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe, mais il a des bons gros lancers après. Hein. Il a des bons lancers, ce bâtard. Bah voilà, il est mort. Finalement, pourquoi compter? Pourquoi compter? La sorcière était buff aussi apparemment, mais l'acte 4 avec, j'y arrive toujours pas malgré le rééquilibrage de l'épisode. Ah ouais, l'acte 4 de la sorcière, justement, je l'ai fait first try. C'était plutôt cool, l'acte 4. Ils ont rajouté qu'en fait, à un moment, tu peux choisir un dé supplémentaire, mais en fait, avec le hall des miroirs, j'avais pas besoin. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Qu'est-ce qu'il y a de ça dedans? Détermination, 4 dégâts infligés en état aléatoire. Ah, oh, ça c'est intéressant. Ça fait pas très mal actuellement, mais ça peut être très intéressant. Je vais l'acheter. On verra plus tard ce qu'on en fait. Arme secrète, bénédiction aléatoire. Ça fait beaucoup là, non? Admettons, j'enlève ça. Admettons, j'enlève armure en cuir. Je mets ça et arme secrète. Si j'avais boule de démolition, améliorée, ce serait très fort. Mais bon, ce bullet c'est pas ouf, mais ça fait quand même des dégâts. Le truc c'est qu'actuellement c'est pas très fort. Si on pouvait les améliorer, peut-être j'y penserais, mais là actuellement c'est pas très fort. Mais je les prends en prévision. Je les ai pris en prévision. Ok, Dynast ou Kraken? Kraken. Kraken il peut être très très chiant dès le départ aussi, mais on va voir. Alors, maudit l'ennemi, je peux le maudire deux fois? Si je le maudis deux fois, il peut rater ses attaques de ouf, non? Mais bon, ce serait dommage. Je vais quand même faire ça. Défensivement parlant, c'est quand même beaucoup plus intéressant. Quoique là, au début, il fait pas mal. Au début, il fait pas mal. Allez, au début, on va lui faire mal. Dans ses premiers tours, il fait pas mal du tout, donc autant y aller plus vénèrement. Et bah du coup, tiens, vas-y. On va quand même le maudire. Ça ne cassera pas les couilles. Et on se soigne, on est full soin. Ah, c'est vrai qu'on va pas sa vie. Allez hop. Quoi, c'est tout ce qu'il a fait? Il a pété un plomb? J'ai pété les plombs! Il y avait que des impairs? D'accord. Le gars, il a vu qu'il pouvait pas faire l'attaque, il était... Oh, allez la merde! Ah, par contre, il y a toujours sa furie, cela dit. Très bien. Burin. Dédicace à ceux qui disaient que j'utilisais jamais mon burin. J'utilise de ouf, hein, mais c'est pas grave.
Tu peux encore le dire. Et des fois dans la vie, on va pas se... On va pas se priver des choses qui font plaisir. Ça vaut pas le coup. Vas-y, dis-moi, dis-moi, vas-y, dis-moi, dis-moi. Merde, merde. Haha. Nul. Ok, nul. Ah, un peu moins nul, j'avoue. J'avoue. 3 ou moins requis, d'accord, on sait plus que 3. C'était un 2, on a vu que c'était un 2. Par sécurité, je lance ça, tac, comme ça je fais un 1 ici. On sait qu'on a un 1 ici. Ça c'était plus que 2, que 3, donc c'est peut-être un 4. C'est un 4, parfait. Et donc là on a un 1. Et là on sait pas ce qu'on a, est-ce que c'est pair? C'est pas pair. Parfait. C'est pas pair. Et un 1 ici, bon bah, nick. Bon, ça se passe bien. On a 7 boucliers, on a 2 minorations. J'ai pas pu le maudire cette fois. Dommage. Aïe, 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 aïe. Ah, je me demande ce que c'est, ça. Je me demande ce que c'est comme dé. Merci le jeu pour l'indice. Putain, le burin, du coup, ça me fait peur. Ouais, ouais. C'était ma crainte. Tant pis. C'était ma crainte. Tant pis, tant pis, tant pis. Bon, pour l'instant, je prends pas trop de dégâts quand même. C'est gentil d'essayer de compter ses points de vie, hein, c'est pas grave. On va faire 100. Il est relou, Kraken. Il est relou. Bien sûr. Bien sûr. What? Ok. Mm-hmm. Aveugle sur 2D, mais si je l'aveugle, lui il s'en fout. Tiens, vas-y, je t'aveugle. Ça t'éclate? Tu t'es bien amusé, Kraken? Putain. Mais il le sait. Il a l'info. Il faut le tuer, il faut le tuer, il faut le tuer, il faut le tuer. Je suis toujours maudit là? Putain, vie de merde. Allez, s'il te plaît. Nice. S'il te plaît. Oh merde, mon soin. Merde. Putain, mais. Oh, c'est dégueulasse, submergé quand il me le rend, ça le reset. Je suis deg. Faut que je le tue. Hein. Oh non, je suis trop dans la merde, je peux pas lui faire mal. Ah, c'est bon, il va pas me dire cette fois, merci. Aïe, 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 aïe. C'est la malédiction à tous les tours, ça commence à casser les couilles. Ok. Et merde, un dégât. Ah, il était mort, ok. Bon, ça va. Dynast, et on sera soigné à la fin de ce combat. En tout cas, c'est pas le stream qui est submergé, ça c'est sûr. Ah, hache de guerre, ça fait plaisir ça. Oh non, mais il va me le faire en x2. Il est temps de faire peau épaisse. Il est temps de faire peau épaisse parce que je peux vous dire que je vais prendre très très cher. Nickel, burin, hop, ça part en prod. Voilà, j'ai 3 minorations et 6 boucliers, normalement ça devrait aller. Ah, il a pas de 4. Je suis très très bien, je suis très très bien. Salut à ceux qui nous rejoignent, bienvenue à vous. Putain, on est presque 300, c'est fou. Hein. Allez hop, rends le dé, rends l'argent. Y a quoi se faire plaisir, hein. Merci pour l'âge de guerre, frère. Merci de prêter ton équipement, ça fait plaisir. C'est cool le partage, c'est cool de partager comme ça avec ses frérots. Merci d'être là. Y a un bon regardé, ça fait plaisir. J'espère que ce sera un 6. Ça aurait pu être pire. Ça va.
Ça servait à rien. Je sais pas pourquoi je fais ça. Nice. Vas-y, vas-y. Vas-y, fais-toi mal, ça ne dérange pas. Pas de dégâts, quasiment pas de dégâts. Boum. Hop. Au moins ça va, je me prends pas de dégâts, hein. C'est le principal. C'est bien, on est bien safe au moins. Ah ouais, mais non. Ouais, sacrifie un bouclier. Je sacrifie un bouclier, en espérant que ce soit pas trop grave. Oh non. Oh non. Aïe aïe aïe. Elle est quasiment mort là. Le stuff que t'as est confortable. Il est confortable mais il est lent. Il est là. Il est mort. J'aurais pu me soigner, mais je m'en fous, de toute façon je suis soigné à la fin du combat. Le level up qui fait plaisir, qu'est-ce qu'on a? Coin traître, 3 requis, 0 dégâts plus 1 à chaque action. Passe un dé aléatoire à machin, rend le dé. Nul à chier, on va améliorer. Hein. Coin traître, ça peut être rigolo. Coin traître, ça peut être très fort, mais... J'ai quand même envie d'améliorer. Boule des démolitions, on a dit que c'était très fort. Boule de démolition, c'est très fort. Ça peut être très intéressant. Je voulais voir aussi un truc. C'était ça, la détermination. Quand on l'améliore, c'est deux états aléatoires. Et ça, c'est 5. Ça passe à 5, c'est bien aussi. Ok. On va faire boule de démolition. On va améliorer boule de démolition. Et on va repenser ce stuff. L'armure en cuir, on va lui dire merci. Lance-boulette, on va peut-être y penser aussi à l'enlever. Détermination et arme secrète, on va le mettre. J'hésite à enlever Burin pour mettre Père Carré aussi. Parce que là, on aurait vraiment un stuff à décompte incroyable. Je vais tester ça sur un fight. Si ça passe, c'est cool. Si ça passe moyen, c'est... Bof. Quasi-doubleur. Double la valeur du dé, puis soustrait 1. Non, merci. On va voir ce que ça donne. Une malédiction inverse votre cible au lieu de provoquer un échec. On n'est pas souvent malédictionné. Hein. Allez. Ça va. On n'est pas souvent en malédiction. On a une autre amélioration ici, ce qui est très très cool. D'ailleurs, je crois que c'est... J'avais envie de la focus, mais je me dis... Ouais, ça se focus, allez. Je vais la focus à l'amélioration. Voilà, une furie. Attendez. On va quand même... Ouais. Ah, c'est puissant quand même. Toc. Bon, voilà me dire. J'ai plus rien. Ok. Bon, on voit plus rien. Et ta malédiction alors, frérot? Mais alors? Mais what the fuck? Pourquoi sa malédiction elle marche pas? Tu vas voir, c'est tout de suite. Voilà. Attention. M'a saoulé. M'a saoulé. Connasse. Génial. Elle m'a saoulé. Allez, vas-y. Vas-y, maudis-moi. Ah, elle peut pas. Oh, le silence. Aïe, aïe, aïe. Ça fait mal. Ça commence à faire un peu mal. Ok. Elle est relou, hein. Relou la dame blanche.
Allez hop. Elle va me dire non. Pourquoi tu fais ça? Dame Blanche, dis-moi pourquoi tu fais. Nice. Très bien, c'est ce que je voulais. Ça me range bon par contre la peau épaisse dans le cul, mais. Elle a une malédiction, yes. Je suis sûr que ça a marché. Allez. M'a saoulé, hein? Qui m'a saoulé, toi, hein? Je vais plus te voir, hein? Bougie. Non. Au début du premier tour, octroie furie. Est-ce que ça veut dire qu'on a deux furies? Est-ce que ça veut dire que je quadruple mon truc? Bon, ça, c'est entre guillemets, ça peut être fort, mais ça nous intéresse pas. Bon, du coup, l'amélioration. Est-ce qu'on attend le son oiseau? Non, hein. On s'en bat les couilles. C'est pas une malédiction que tu lui mets, mais une malédiction pour l'interrogation. Oui, c'est ça. Ah oui, c'est vrai, c'était 50% de chance que ça marche. Mais oui. Mais c'est la même chose, hein. C'est, en fait, c'est au lieu de changer, au lieu de faire échouer son truc, c'était censé la faire changer de cible, donc la faire attaquer elle-même. C'est pour ça que je suis le trigger, ça aurait pu la faire chier elle aussi, quand même. Non, bah je vais faire mon amélioration maintenant. Détermination ou arme secrète hein. En vrai, plâtre, c'est presque le plus sexy dans l'histoire parce qu'il n'y en a aucun qui fait plus de dégâts. Alors que plâtre, ça me permettrait d'être plus safe en termes de vie. Père carré, ça fait que j'aurais très facilement mes 4, mais j'en ai pas trop besoin logiquement. Plâtre, c'est presque le plus sexy. En vrai, arme secrète, c'est pas ouf. Arme secrète, j'ai peut-être le jarter pour autre chose. Peut-être le jarter pour remettre soit lance-boulette, auquel cas... Ah, lance-boulette. On va mettre lance-boulette à la place. Voilà. Y a juste pas d'échappatoire. Là, au moins, on va faire mal. On va faire un peu plus mal avec ça, parce que c'est là on manque vraiment de dégâts, en fait, depuis le début. Parce qu'on manque vraiment de dégâts depuis le début. Ok, nice. Ok, là on est bien. Hop. Nice. Et comme ça on peut continuer à refaire des dégâts derrière. Parce que ça c'est ce qui nous manquait. Au bout d'un moment on faisait plus mal. Regarde, 12 sur 42. Sa vie est merdique actuellement. 12, il a 12 points de vie, c'est bon. J'ai l'info. Il va mourir très vite. Ah, ça va. Il va mourir très vite, il a 12 points de vie. Il est quasiment mort déjà. Voilà. Merci à tous. Ah, ce stuff est bien, ce stuff est très bien. Attends, on est quasiment 300, mais qu'est-ce qui se passe là? Oh, 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 oh. Faut arrêter d'être présent là, oh. Arrêtez de me faire plaisir, s'il vous plaît. Est-ce que ce serait pas safe de prendre la pomme quand même contre lui? Non, je vais le tuer. Je te tue. Esquive l'attaque suivante. En vrai, il va m'attaquer qu'une fois, donc c'est pas le plus safe de faire ça. Putain, merde. Je suis baisé, par contre, j'ai vraiment des dés de merde. Enfin, entre guillemets. Bon, on va faire ça. Prends-moi le dé. Ma bite! Ma bite! Merci, King of Defecation. Merci pour les 200 bits. Très bon pseudo. Nickel.
Nickel. Ça se passe bien, c'est cool, c'est cool. J'esquive sa prochaine attaque s'il arrive à m'attaquer. Eh ben il peut même pas. Salaud. Bâtard, ça fait double esquive. Ah, tu fais double esquive, hein. Je me sens persécuté. Ah, donc ça annule tout! Frère! Pourquoi ça annule tout? Vas-y, reverrouille-toi, reverrouille tes grands morts. Putain, il m'a énervé. Putain, c'est dégueulasse! Ah, il est relou. Hein. Ah, il est relou de ouf. Putain, je peux pas utiliser ma peau épaisse. Aïe aïe aïe, il est vraiment relou son oiseau, c'est vraiment le pire ennemi du jeu. Oh non. Bon, me réduire au silence, c'est pas grave. Ça c'est un peu plus chiant. C'est bon, il est mort. Il est mort et j'ai quasiment pas perdu vie. Au final, il était relou, mais ça s'est bien passé. Nice. Armure en fer, ajoute 2000 rations d'allégation. Ça fait beaucoup là, non? C'est gentil, mais non, merci. On avait vu quoi là-dedans déjà? Ah oui, non, c'était nul à chier, je crois. Ouais, non, tout est mauvais. Attends, bon, bah, on a peut-être une chance d'y arriver avec le voleur aussi. Hein. On a peut-être une chance. Ça peut peut-être bien se passer. Ah non, par contre, elle va me faire tellement mal. Elle va me faire tellement mal au premier tour, il faut que je me protège. Attends. Nice. En fait, j'ai pas besoin. Voilà. Elle a pas de tour. Elle a pas de prochain tour. Tout va bien. Elle a pas de prochain tour. Merci à tous. Vas-y. Ah bah, on s'en fout, on est content d'être là. Verrouiller tous les dés ennemis, j'ai débloqué un succès, yes! Un vrai plaisir. Attends, je peux la faire chier de ouf en vrai. Je peux la faire ultra chier la meuf. Je peux lui verrouiller tous ses dés à l'infini. Vas-y, vas-y, essaie de me faire quelque chose, on va voir. On va voir ce que t'en penses, tiens. Allez hop. Mal, mais ça va. Je suis soigné à la fin du combat, donc c'est pas grave. Excusez-moi, vous comptiez faire quelque chose, madame. C'est pour toi. Ah, pardon, c'est ma tête déjà morte. Désolé, je peux faire attention. Oh, je vois pas la vie, hein. Je vois pas la vie. Bah, ça se passe super bien. Ça se passe super bien, les gars. Allez. Encore ? Encore vous ? Par contre, elle peut me faire chier. Là, elle peut me faire chier. Parce que là, du coup, elle va comprendre son stuff. Là, elle sait ce qu'elle fait. Attention. Là, elle va savoir ce qu'elle fait. J'ai soif ! Oh, j'avais envie d'un bon petit combat depuis ce matin. Et vous, voilà. Bon, bah, on fera avec. Ouais, oh, tu vas le voir, ton bon petit combat. T'inquiète pas. Ou par contre, elle peut faire si mal. Elle peut faire si mal. Si elle l'a ainsi, c'est qu'elle fait ça, là, direct, je suis pas bien, déjà. Hein. Sachez-le. Peut-être passer sur ça, direct, hein. Soyons sages. Soyons sages. Elle a une malédiction qui ne va jamais marcher, on le sait tous.
On attend. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Ouais, elle se met... Oh! Oh, elle m'a donné des boucliers à moi, du coup! Bravo! Bravo! Oh, super! Par contre, elle a encore 5 boucliers, faut que je l'enlève. Parfait! Frappe avec le bouclier 9 dégâts, en vrai. Ouais. Oh, putain, mais je vais pouvoir lui faire, en plus, c'est incroyable! Quel plaisir d'être en vie! Quelle belle journée! Mais quelle super journée! Et malédiction, en plus! Mais qu'est-ce qu'on aime sa vie, vu? Oh là! Qu'est-ce qu'on aime notre vie? Quelle est douce, quelle est belle, cette vie! Oh là là, ah, il fait qui est en position latérale d'insécurité actuellement. Oh, elle peut même pas se donner de bouclier. Ah si, ah oh, oui, ah oh, si en fait. Par contre, la malédiction qui cette fois n'a pas proc. Dommage. C'est quoi son c'est nul? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je peux avoir 2, 4. Bon, en vrai, on va partir dessus. Nous avons dit. Oh déjà? Oh là 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 là, mais quel massacre! Ah quel massacre, on a bien fait de le changer ce stuff, hein. Il est beaucoup plus violent que l'autre. Beaucoup, beaucoup plus violent, ça c'était beau. Et ben voilà! Oh là là, on l'a bien eu cette Awaf. Awaf. Et pas de préambule, oh non! Mais non! On s'y attendait pas, hein. Et bah du coup 6, allez, deuxième 6 d'affilée, on se fait plaisir. Oh là là, quel plaisir d'être là. Alors, qu'est-ce qu'on a? Gargouille. On l'a déjà vu lui, non? Plat préféré, la rosée sur les feuilles et les moustaches de chat, d'accord, yes. Pire crainte, être changé en chair, ça je peux comprendre. Il aime les oiseaux qui font leur nid derrière ses oreilles. Une fois qu'ils ont fini, je les jette par terre, quel connard. C'est un bon moyen de rendre les gens malheureux. Bah super la gargouille, hein. Écoute, passe un bon moment. Bon allez, on est à 2 sur 6 de débloquer cette personne là, qui est-ce? Est-ce que ça va... Mais attendez, est-ce qu'on va jouer avec Est-ce que ça va être la meuf? Est-ce que ça va être Lady Alea? Me dis pas dans le chat, me dis pas. Bon bah écoute, pas savoir. Est-ce que ça va être elle? Parce qu'on est dans son studio là, je crois. On est dans la... Comment ils appellent? La vitrine, comme disait là dans Le Juste Prix et tout. Bon allez, des bisous YouTube. Abonne-toi. Et mets la cloche.